Il est l'heure, à 12h10, de retrouver Tanguy Passion. Tanguy, donc, le président Emmanuel Macron a fait... T'es pulpeux. Toi, tu sais que t'es filmé, par contre. Le président Emmanuel Macron a fait la rentrée des classes hier. Oui, il est déprimé, il est au fond du trou. Il a l'état d'esprit d'un cow-boy dont le cheval viendrait de crever et qui se retrouverait assis comme un couillon sur une vieille selle au milieu d'un pré. Alors, il essaie de donner le change, bien sûr, joue les beaux gosses. En déplacement, il fait des clins d'œil aux mamies qui viennent le voir et qui en claquent leur pile de désirs inassouvis. Elles convulsent par terre en murmurant « J'ai survécu au moment où Franck Michael, sur scène, a fait des macramé avec ses poils de torse. Mais là, c'est trop sublime. J'en peux plus. J'ai l'impression d'avoir de nouveau des ovules. » Macron, il cache son mal-être. Mais moi, qui suis sensible, j'écoute les cures en pleurant et n'ai pas encore parlé à Agnès Hurstel car j'ai peur de m'effondrer assaillie par l'émotion au moment où elle me dira qu'elle adore mon travail. Et ben moi, je sais, je sais que Macron est au bout du rouleau. Macron est au bout du rouleau. Il va finir dans un film des frères Dardenne à jouer le rôle d'un migrant que Jad qui a refilé la syphilis à une travailleuse sociale qui l'a violé un soir de pluie dans la banlieue de Calais. On me la fait pas, moi. Tous les chefs d'État sont des êtres fragiles. Donald Trump, qui fait le kéké à remplir des trous dans l'herbe avec des balles à la noix, n'est qu'un enfant apeuré qu'on a obligé en CM1, c'est le CM1 américain, à bouffer des pépitos et qui en a tiré une aversion pour les Mexicains. Abdelaziz Bouteflika, président algérien, n'est lui aussi qu'un gosse effrayé qui, en 1902, a perdu son doudou et a choisi pour se consoler de devenir lui-même un doudou. Bref, hier, Macron était à Laval, en Mayenne, ce qui d'ordinaire constitue un gage quand on a perdu un croûton dans le fromage lors d'une fondue avec des potes. Mais pas lui, il va à Laval de son plein gré, ce qui montre qu'il est en dépression. Hein, lâché par Hulot, Flessel, boudé par le public, sans son Benalla pour jouer à bodyguard. Donc il vient assister à la rentrée d'enfants de 6e, hein, qu'accompagne des parents qui, après avoir quitté l'école, hurlent la chanson « Libérée, délivrée », puis vont brûler un cierge en l'honneur de Jules Ferry. Macron s'assied au premier rang, hein, parce que c'est un faillot, il a 40 piges et est là à courir après une pauvre image de tapir qu'on va lui donner s'il a un A, à côté d'une fillette qui porte des nattes, hein, comme chez la naguère, mais en moins con. Et là, la com de l'Élysée, qui sait que Macron dégage auprès des gens la même sympathie qu'une bite d'amarrage sur laquelle un malade aurait collé des clous. Il a la même cote dans les sondages que Ceausescu en 89. A une idée, faire converser Macron avec les enfants. Les enfants, ça sent le pipi, comme les urétrotoires de la mère Hidalgo, mais au moins, c'est mignon. Alors, ces enfants ont donc proposé au président un portrait chinois. Oui, exemple, on vous demande si vous étiez un homme de télé, ce serait qui? Vous répondez Nagui. En tout cas, quand vous êtes présent, Nagui, pour vous flatter. Sinon, on dit Philippe Risoli, bien sûr, ou un autre mec plus crédible. Donc là, les gosses disent à Macron, si vous étiez un métier, Macron répond, je serais professeur, c'est un beau métier. Il va pas dire le contraire, il s'est marié avec le sien. Hein, il en est tombé amoureux à l'âge de 17 ans, comme moi avec Samantha Fox. La seule différence étant qu'il ne côtoyait pas Brigitte sur un double poster. Ensuite, on lui demande si vous étiez un animal, le président répond, un chien. Ce qui serait compliqué parce qu'il a lui-même un chien. Donc en le voyant arriver, le sien tenterait de s'accoupler. C'est très gênant. On a beau dire, mais arrête gros, hier encore je te lançais la balle, l'autre baffe, se frotte, on a l'impression d'être dans le métro quand on est une jeune femme. Puis Macron s'arrête et demande à la classe, et vous, votre animal préféré? Il a plus été dans la concertation avec eux en 3 minutes qu'en un an de relation avec Philippe Martinez de la CGT. Et tous répondent le chat. C'est-à-dire que même sur la question de l'animal préféré, les gens ne le suivent plus. Hein, Macron, si au resto il demande une escalope, les autres deviennent véganes. Puis on lui pose la question, si vous étiez un plat cuisiné? Et c'est là qu'on voit que Macron est brisé psychologiquement. Parce qu'il y a 2 mois, il aurait répondu, mon pote, je serais un gros saucisson d'âne au gingembre. Et là, il répond, je serais une blanquette de veau. Alors, au moment de flottement dans la salle, les élèves se tailladent l'oreille avec leurs ciseaux, persuadés que l'organe ne fonctionne plus. Hein, Macron, le trader dopé conçu par les laboratoires Pierre Gattaz, ne peut pas avoir dit qu'il serait une blanquette. C'est nul. Une blanquette, ça pue, c'est mou, c'est moche et c'est cruel. Les veaux aussi sont des enfants. Or, on ne mange pas les enfants des autres. Sinon, dans le TGV, quand il y a des gosses qui hurlent, on dirait aux parents, excusez-moi les lourds, mais vous en avez 2, je pense qu'ils se disputeront moins s'il y en a un tout seul. M'en voulez pas, je vais le bouffer avec des chips. Hein, personne n'a jamais tenté un plan drague en disant à l'autre, tu sais, si j'étais un plat, je serais une blanquette de veau. Parce qu'à moins de se taper Cyril Lignac, c'est le bide assuré. Macron, mais c'est fini. Le matin, il se lève, se regarde dans la glace et voit une blanquette. Hein, même moi, qui n'ai pas confiance en moi, je vois une paella un peu épicée. Et là, moment de gêne ultime, alors que Macron annonce qu'il serait une blanquette, Jean-Michel Blanquer,
ministre de l'éducation, qui est là, ajoute, c'est véridique, je n'y suis pour rien. Blague reconnue comme moyen de torture par la Convention de Genève. À Guantanamo, Blanquer vient dire au prisonnier qu'il est une blanquette et les types à vous-même le meurtre d'Henri IV. Bref, monsieur le président, ressaisissez-vous, on n'a pas élu une blanquette, on veut la retrouver, notre petite saucisse de Toulouse bien ferme. Courage. Merci, David Bastien.